Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Buboy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Évidemment, installez-vous comme il faut, confortablement, parce que c'est direction l'hôpital et ça va swinguer. Il y a déjà des rôdeurs un petit peu partout, ça rôde la nuit et ça c'est terrible. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait tout autant plaisir. Vous connaissez la musique. Ouais, je mets des pauses en fait dans mes phrases. Ok. Alors attendez, parce que... Putain, quelle espèce c'est encore ça? C'est pas vrai! Deux morts. Allez, il m'en reste un normalement. Je crois en avoir vu trois. Je crois en avoir vu trois. Je suis pas bien. Je suis quasi persuadé qu'il y en a encore à droite. Aucune idée si c'est utile de les tuer. Putain, bah ouais, mais... Je peux tourner à l'infini si ça tourne à l'infini, vous voyez ce que je veux dire? Il va être long cet épisode, putain. Ne vous inquiétez pas, tant que je suis pas sorti de là, personne sortira. Hein. C'est quoi ça, ces rôdeurs missiles? Oh! Putain, je me suis fait peur tout seul. Désolé, on m'appelle gâchette sensible dans le milieu. Eh mais combien ils sont? C'est pas possible! Oh, je me suis fait stress pour rien, je suis dégoûté. Ok. Oh là 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 là! Ça on prend. Ça commence à devenir complicado tout ça. Je crois avoir vu quelque chose de trouvable au sol. Putain, mais c'est pas vrai, tu viens d'où, ma sœur? Ah, elle vient de la brèche. Il y a quelqu'un d'autre? Ok, ça devrait le faire. Si elle a dit ça, c'est que c'est bon, on est un peu plus serein. Maintenant, comment je sors de là? Terrible, hein, sérieusement. Terrible! Bon, les rôdeurs, c'est un enfer. On les entend pas, ils rôdent. Ils rôdent, littéralement, ils portent très très bien leur nom. Et donc, c'est très très chiant. Des petits croustibats comme ça, même le sol. Croustibat qui peut te battre. Oh, j'ai envie de manger des croustibats. Fait tellement des années que j'ai pas mangé de croustibats, bordel.
Ah, c'est des petites envies comme ça, tu vois. Mais ça fait du baume au cœur, vous voyez ce que je veux dire? Ça apporte un peu de chaleur. Des croustibats, bordel. Ah, on est dans un atelier, et dans un atelier, souvent, il y a des trucs méga cool qu'on trouve dans tous les ateliers du monde. Hop, ça on prend comme ça, derrière. On peut prendre ça sans aucun problème. Bon, j'espère avoir tout fouillé, normalement on est bien. Après, encore une fois, si j'oublie des choses, c'est pas bien grave. Ok. Alors, le pont, il est chargé d'eau. Voilà l'hôpital. Attends, on s'est rapproché d'eau. Très loin. Ah, oh non, je veux pas tourner en enfer. Vache. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Faut que je rejoigne la rue. Ouais, on n'a pas le choix, Ellie, hein. On doit rejoindre la rue, la vraie, hein. Je le dis depuis le début, mais ici c'est la rue, donc Oh non. Oh, quand tu trouves des balles de pompe comme ça, là. Des petits findus et tout. Oh là 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 là. Alors? Ah! Ah! Voilà sur les filles! Hop! Ici! C'est la rue! Qu'est-ce qui se passe? Voilà! Je suis énervé. Ok. Je parle pas, je suis désolé. Oh, c'est complicado, hein. C'est complicado de ouf tout ce qui se passe là, hein. Je n'ai pas été préparé à cette guerre. Ça devrait être bon. C'est vraiment chaud, les rôdeurs, j'ai pas compris. J'ai été repéré alors que je me suis même pas montré. Il y avait des... Je sais... Quoi? Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Je crois qu'il y avait aussi un claqueur, alors... Ok. Au-dessus, il y a un bail. Vous l'entendez? C'est parti. J'ai besoin de toute mon audition et mon acuité visuelle, donc je vais rester très concentré. Merde. Lâche-moi, putain. Saloperie. T'as des perruques. Oh non. Oh non. Putain, il lâche pas même dans l'eau. Oh, my God.
j'essaye de me raccrocher à la vie. Et c'est pas facile. Aïe! Ça, c'était gratuit. Ok. Eh ben, nous voici à l'hôpital, les amis. Ouais, je connais bien, j'ai pris un petit raccourci. J'ai pris un petit raccourci. Bon! Ouais, mais c'est quand on a une connaissance de la Villa Crue, ça. Ok, j'ai clairement pris ma race. Et ça, c'était gratuit. Comment on va faire? Bah ouais, mais plonger dans ce tas de merde, là. Les écus, c'est pas très beau, hein. C'est pas très sain non plus, hein. Hop. Voilà. Attendez. Voilà, rien de beau une brique, je te le dis, mon pote. Oh! Je prends ici, tout va bien, regardez. Oh, il manque un scotch, incroyable. Bah, tout ne va pas bien. Comment on peut faire? Peut-être là, non? Je sais pas. Comment on peut faire? On voit rien. On voit rien, il n'y a rien d'utilisable. Tu sors de là, t'as le tétanos et 14 autres maladies. Dis quelque chose, Ellie, putain de merde. J'en sais rien, moi. Je vois des câbles, peut-être, sur moi. Ok, je vois un truc là aussi. Je pense qu'en fait, la solution est juste ici. Hop. Voilà. Là. Et ici. Et on est bon. Ok. Plus de peur que de mal. On est bien. On va passer par là. Voilà. Parcours du combattant à ce que je vois dans les égouts, ça fait plaisir. Bon, la phase, elle était quand même assez hardcore. J'ai pas du tout kiffé. Elle était très bien mise en scène et tout, avec les rôdeurs et tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de rôdeurs, justement. Mais pour le coup... J'ai hâte de sortir de ce trou. C'est chiant. Hein, on a clairement pris notre part. Et je peux vous dire que ça... C'est bien chiant. Je sais pas si on s'est éloigné de l'hôpital. Pour moi, on s'en est rapproché, mais bon. Et on est carrément dans la cour de l'hôpital. Où est-ce que j'ai atterri? Non. On n'est pas dans la cour. Ok. Ah non, sortie de métro. Ok, une station. Comment on n'est pas loin. Ok. Vous êtes ici. Et l'hôpital est là. Putain, quel enfer. Je vais traverser le parc. Ouais, nickel, hein, Ellie, hein. On est bien, hein. C'est la jungle, ma sœur. Bon. Allez. À l'ancienne comme à l'ancienne. Ça va le faire. Ok. Il se passe des choses. En tout cas, c'est magnifique la végétation comme ça. Ah ! Oh, je me suis chié dessus. Oh, je me suis chié dessus. C'est qui, putain ?
Heureusement qu'il ne voit pas à plus d'un mètre. C'est eux les... L'amour est partout. Frère. Ça me fout, va. Bordel. Force sur toi, hein. J'ai essayé. Ok. Et maintenant. C'est chaud! C'est trop stylé, mais c'est chaud! Regardez cette haine. Voilà, vous avez rien vu, mais ça me fait vibrer. Enfoiré. Un. Le truc, c'est que s'ils sont pas en mouvement, toujours un là-haut. C'est tellement stylé. Je kiffe en vrai, même si je prends ma part. Alors, frérot, faut que je t'explique un truc. C'est bien de siffler. Mais c'est pas ça la vie, mon ami. C'est pas en sifflant qu'on a ce qu'on veut, tu comprends ou pas? Puis tu t'en prends une gamine. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, il faut poser les choses et il faut le dire, c'est pas bien. Oh, bordel. Sûrement des scars. C'est donc ça les scars. Peu importe. Okay. L'hôpital. Ok. Bon. J'espère que vous avez pas pendu Nora. Rien à foutre des scars, je dois rester concentré sur mon objectif. Oh! Donc les scars, c'est cette secte-là? Putain! Eh, ça swing avec eux, en vrai, hein. Ça swing de ouf. Alors, on a quoi?
Ok. Voilà la route qui mène à l'hôpital. Ouais, super, mais ça m'intéresse pas. Je viens fouiller quand même jusqu'au bout, sur un malentendu, ça peut le faire. Y a rien du tout par ici. Ils auraient pu régaler, hein. Ils auraient pu régaler. J'ai bien kiffé ce petit passage-là. Comme ça, là, dans rester allongé et tout, les arracher un par un. J'ai vraiment bien kiffé, c'était vraiment bien fait. Puis ils sont grave stylés, en fait, le fait qu'ils communiquent et tout comme ça. Chapeau bas melon et bottes de cuir, ça fait plaisir. Allez, on passe à la suite. Il y en aura peut-être plus tard, il y en aura même sûrement plus tard. Je dois passer le portail du poste contrôle. Ok. Par contre, c'est bizarre parce qu'ils ont l'air bien, bien avancés pour le coup. On va passer par là. C'est un classique hein, ici. Hein. C'est totalement un classique. Mais c'était ultra stylé, vraiment. J'espère que vous avez aimé. Ok. Non, pas de rôdeur, c'est chiant. Parce qu'en vrai, on n'a pas, mine de rien, on n'a pas soufflé de ouf. Hein. On n'a pas soufflé de ouf en deux épisodes. Hein. On a quand même pris notre petite part, hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, on a quoi? On n'a rien. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà. Donc, quand une flèche reste plantée, plantée dans le corps, en fait, elle vous donne des dégâts réguliers. Donc toutes les secondes, elle vous enlève 1, 2, 3 HP. Et c'est très très chiant. De 1, ça fait mal. Bah, et de 2, ça peut vous tuer, quoi. C'est pas la vie qu'on a choisie, bordel. C'est quoi ces chambres de ouf? Voilà. Une petite carte? Non. Ça, j'aime bien ça. J'aime vraiment bien ce revolver. Le revolver de Joël. On l'oubliera jamais. Ok. Voilà. Full life, ça c'est la vie qu'on mérite. Et normalement, on est bien. Bon, très belle pièce ça. On s'est régalé. Hop, 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 c'est pas terminé. C'est pas terminé, jeune homme. Ah, si, c'est terminé. Attendez, quoique... Quoique, on peut faire ça, et comme ça, on peut récupérer la petite goutte. Voilà, on est pas mal. Continuons. Ça va, très sympa, cet hôtel, pour l'instant. Très, très, très sympa. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait le tour, là, non? Une carte à collectionner, j'adore. Hop. Doppelganger. Étrange d'origine inconnue, cet humanoïde à la peau d'albâtre et aux yeux jaunes est capable de prendre l'apparence de n'importe qui. Cependant, il doit pour cela toucher la personne à imiter. La ressemblance est presque parfaite, mais en y regardant bien, il est possible de percevoir une lueur jaune dans ses yeux une fois transformé. Si vous voyez un de vos proches porter des lunettes de soleil à un moment incongru, méfiez-vous. Il est neutre, voilà. Ni méchant, ni gentil, vagabond, du navire comme un colis, ça fait plaisir. Eh bien, on est déjà rentré là-dedans, hein, donc... Non, attends, je vois pas pourquoi... Je pense que la sortie est tout simplement une des fenêtres. Sinon, je vois pas pourquoi on rentrerait là. Voilà, hop, petite cascade. Très bien, je pense qu'on peut tomber ruelle, mais... But, ça serait quand même d'aller tout là-haut, non? Allez, on va fouiller. J'adore fouiller les petits endroits comme ça, là, c'est sympa. Quand on se fait pas arracher par... Ah! Je vais parler un peu trop vite. Alors, oh, voilà, qu'est-ce qu'on a là? Dis-moi tout, qu'est-ce que tu fais là, jeune homme? Si quelqu'un trouve ce mot, ma femme Paige m'attend dans l'ancien centre merde de conférence de Pike et Convention, en face du pub. S'il vous plaît, donnez-lui ce médicament, elle est enceinte et sans ça, elle risque de mourir. J'ai cru que je pourrais la rejoindre, mais j'ai perdu trop de sang. Je courais à travers bois. J'ai entendu des sifflements et j'ai pris une flèche dans les côtes.
Je me suis caché ici, je pense que je suis à l'abri. Je vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Je commence à avoir froid. J'ai piqué ces médicaments à l'hôpital. J'aurais dû prendre du sang. Au passage, mauvaise blague, désolé. Demandez-lui, j'ai un humour de merde. Si vous voyez Paige, dites-lui que je suis parti en paix et que j'espère qu'ils seront heureux. Dites-lui que je l'aime. Et dites-lui que si c'est un gars, je veux pas qu'elle l'appelle comme moi. Qu'elle garde le prénom qu'on a choisi. Simon Vikes. Pour le coup, je crois qu'elle est morte. Donc ça, c'est très embêtant. On a quoi là ? Bon, bah on a trouvé le... On a toute l'histoire de ce petit couple. Il y a plein de petites histoires qu'on peut vivre à travers ça. Ça, c'est cool aussi. Voilà. Eh bien, j'ai envie de vous dire, on peut s'en aller. Hein. On peut s'en aller. Il n'y a rien à fouiller de l'autre côté. Il n'y a pas de truc bonus. On est très bien. C'est pas ici la sortie. Voilà. Ok. C'est parti. Allez. Cellule de crise. Alors, on va essayer de voir là-haut un peu s'il n'y a pas un petit truc qui traîne, tu vois, un truc sympatoche. Regardez. Voilà. Je fais jamais des allers-retours pour rien, moi, ma grande. Alors, pot, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, on peut. Allez, hein. N'ayons pas peur, hein. Pas encore essayé les flèches explosives, mais enfin... Je devrais pouvoir passer. Allez, c'est parti. Pitié ! Je vous en prie ! Ah. Fais chier. Isaac, prépare quelque chose ! Je vais tout vous dire ! Mais... Péché est en eux, ils se cachent. J'ai rien fait. Libérez-les. Hop, tout ça c'est dans les côtes. Oh, merde. Ça va, il va bien. Il est libre à présent. Il est libre à présent. Cherchez des vagabonds. Puissent-elles nous quitter ? Tu es au courant pour Lily ? Oui, c'est vraiment honteux. Mais ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais ça me surprend, de la part de sa sœur. Je plains leur mère. Elle aurait dû sentir qu'il y avait un truc bizarre. Ça traîne toujours par deux, ces deux-là, là ? On va essayer de la faire full discret. Ça peut le faire, j'ai confiance en moi. Ok. En vrai, je suis même pas obligé de les tuer, en vrai. Hein. J'y pense, mais... qui se rapproche de moi. Bah, j'aimerais bien aller voir le cadavre quand même, là, du mec qui viennent de tuer. J'aurais peut-être pu avoir des infos sympas. Ok, deux. Putain, il se bouffe le cul maintenant, c'est terrible. J'ai envie de la refaire. Vas-y, tu vois.
J'ai envie de la refaire. J'ai envie de voir en full discret ce que ça peut donner. C'est dommage parce qu'ils étaient tout seuls et d'un coup ils se sont réunis. Ça casse un peu les cacahuètes, si vous voyez ce que je veux dire. Et ben vous savez quoi? Ça a teasé l'épisode suivant. Parce que c'est ce qu'on va faire dans l'épisode suivant. Tout simplement, on est retourné à côté du cadavre. Tout se passe bien. On va faire ça tranquillement dans l'épisode 20, me semble-t-il. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure. À demain. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.